Alors ma saison passée a débuté avec une 15e place à l'ouverture de la Coupe du Monde à Zolden. J'étais pas vraiment satisfaite et pour autant c'était le deuxième meilleur résultat de ma saison parce que les courses sont enchaînées, j'ai eu 3 chutes consécutives. Donc c'est-à-dire 3 courses de Coupe du Monde où on marque 0 points. On a tendance à vite reculer dans le classement, donc ça c'est assez difficile à digérer mentalement et physiquement aussi puisque je me suis blessée à Saint-Moritz. C'était pas très grave mais c'était une entorse du ligament de Chopard et qui m'a empêchée justement de courir à la maison à Courchevel. Donc ça, c'était une petite frustration, mais néanmoins, avec ma 10e place à la Coupe du Monde de Lienz, j'ai gagné mon ticket pour les Jeux Olympiques et j'ai pu faire partie justement de cet esprit bleu qu'on a pu voir sur les pistes de Sochi. Donc ça s'est soldé par une 14e place en géant et une 18e place en slalom. Les conditions n'étaient pas vraiment idéales, du moins c'est pas vraiment celle que je préfère. Beaucoup de pluie, pas mal de brouillard, bref. C'était un peu Gymkhana et la saison s'est terminée par un titre au championnat de France. Voilà, j'ai terminé deuxième en géant, donc une bonne clôture de saison pour bien attaquer l'été et pour revenir le couteau entre les dents l'année prochaine. J'ai eu plusieurs difficultés dans ma carrière, notamment physique. Le mental joue pas mal, hein, mais bon, j'avoue qu'au niveau physique, ça a été, j'ai eu mon lot de consolation. Donc j'ai eu en 2008 un gros crash en descente et j'ai eu une dislocation en fait, du genou qui a entraîné une rupture des ligaments croisés, une rupture des ligaments latéraux, la capsule médicale, le PT, bref, la totale. À laquelle s'est ajouté donc à peu près un an de rééducation pour revenir sur les skis. 2 ans plus tard, là j'ai eu cette fois-ci le pouce. Le pouce c'est pas très grave, mais bon, ça permet, c'est un petit peu embêtant aussi pour une slalomeuse. L'année dernière j'ai eu l'épaule, une fracture du trochiter. Et cette année, une petite entorse du ligament de Chopard. Je m'en tire très bien au niveau capital santé. J'avoue que ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça fait 2 ans, malheureusement que 2 ans, que je connais le Kialaser et ça m'a permis en fait dans la phase de réhabilitation, à partir du moment où on a une chirurgie et que les soins kinés attaquent, et bien de recouvrir la santé vraiment plus vite. Je faisais le traitement à peu près tous les jours et même une fois revenu sur les skis, je continuais le traitement dans la durée. Moi j'ai eu des périostites effectivement récurrentes et donc on avait travaillé sur la chaussure, on avait justement fait de la kiné pour pouvoir les enlever et j'avoue je trouvais rien, je m'étirais tout le temps avec le pied de côté, là c'était la galère et puis on m'a même écrasé une bouteille de coca qui était pleine pour casser apparemment les petites, je sais pas comment on dit, les petites boules là qu'il y a sur le... C'était soi-disant une technique révolutionnaire, ça n'a pas marché. Le crochetage, ça fait super mal, ça n'a pas marché non plus. Et du coup, j'avoue que j'ai été vraiment enchantée de trouver, de connaître le Kialaser parce que en Amérique, par exemple, quand il y avait un souci, ça m'est arrivé de partir en Amérique pendant 3 semaines et de ne pas skier pendant presque 10 jours, juste faire la compétition et puis repartir en France. Et cette année-là où on nous a proposé Kialaser, c'est en fait ma kinésithérapeute de la fédération qui nous a proposé ce produit et qui nous a proposé de le tester. Et ben c'était magique, genre en 2 jours j'avais plus rien et j'ai trouvé ça, c'est à vrai dire c'est ma première blessure que j'ai testée avec Kialaser et c'est celle qui m'a fait bien aimer le produit directement, c'est-à-dire qu'on avait le petit programme périostite qui était déjà préétabli et voilà, c'était magique. Alors pour l'année prochaine, j'espère avoir les mêmes ambitions que ce que j'avais en début de saison cette année. J'avais effectivement de gros objectifs. Après, c'est vrai que on peut pas anticiper ce qui va se passer. Là, il s'avère que j'ai eu 3 chutes consécutives en Coupe du Monde et que ça m'a un petit peu entamé
moralement et mentalement. Donc j'ai eu une petite baisse justement de niaque en milieu de saison. Et j'espère vraiment en fait rattaquer la saison comme j'ai pu le faire cette année, sauf qu'on va éviter les 2-3 mm qui penchent trop vers l'intérieur et qui font que ça se solde par une sortie de piste.